petit reportage. Je me dirige vers la salle où on a exposé toutes les œuvres. Et ça y est, on a enfin pris un moment pour vous donner les résultats de ce concours des feuilles d'automne. Désolé, on a été très très long. On a été un peu débordé par les événements, par plein d'autres choses. Mais voilà, c'est, on y arrive. Allez, on va faire un tour. Bon, c'est parti. Hop, on arrête. C'est parti, Verdi. Bonjour. Rebonjour. On va passer en revue. C'est ce qui est en train d'ailleurs de défiler derrière toutes vos participations. C'était magnifique. Moi, j'ai adoré d'abord la composition d'ensemble, cette immense fresque, et surtout la diversité des techniques utilisées. Non, toujours sur un seul sujet, feuilles d'automne, et le jeu a été respecté par tous, avec des univers complètement différents, comme à chaque fois. C'est vraiment génial les concours pour ça. Ça prend du temps, mais ça, c'est pas grave. Donc bravo, bravo vous toutes, vous tous, et merci encore pour votre participation. Donc ça, c'est en arrière-plan l'ensemble des participants. On a déjà extrait, entre guillemets, les lauréats hein, derrière. Ok, ça marche, vous les avez tous vus, c'est déjà passé en boucle ou pas? Ouais, certainement, je crois qu'on est au bout. Je vous laisse quand même découvrir, j'ai essayé de tourner un peu plus lentement que la dernière fois, découvrir toutes les participations. On va bientôt passer à la vue suivante. Regardez, il y a tout, c'est génial. Toutes les techniques, l'aquarelle, l'acrylique, de l'huile, de la gravure, du dessin, des collages. Toujours dans cet univers. Une harmonie quand même globale de couleurs aussi. Hein, et des participations d'enfants aussi, on a eu ça, c'était très chouette. Pas mal d'enfants qui ont participé, de la calligraphie, bah, y a tout, c'est trop cool, trop trop cool. On va laisser se terminer, et voilà, on est à la dernière rangée, je crois. Je crois qu'on est à la dernière rangée, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, ouais, voilà. Maintenant, on va passer au prix spécial du jury, c'est-à-dire qu'il y a eu voilà, des lauréats, je vais vous faire découvrir, mais on a eu beaucoup de mal à départager, et on a plein de petits coups de cœur, et dont des dessins d'enfants que je voulais partager. Donc ils sont tous ici, je les ai là, je vais les remercier. Hein. Dans la gravure, on a Geneviève qui nous a fait un magnifique travail, Edith, hein, celui-là j'aimais aussi beaucoup particulièrement, c'est Carmen. Carmen, je me dépêche. Joséphine, 5 ans, cool. Et ça, c'était chouette aussi. Magnifique chat aussi. Glenn, pardon. J'aurais dû réviser tout ça. Et Anne-Marie, voilà, lauréat. Et j'avais oublié de le filmer, mais on l'avait sélectionné aussi. Le travail de Pascal. Pascal, donc, vous tous, petit clin d'œil, coup de cœur du jury. On vous rajoute un bon d'achat de 10 euros, on vous contacte. Pour vous envoyer ça, d'accord? Ok, ça marche? Maintenant, on va passer... Donc, il y avait premier, deuxième et troisième. On a trois ex-aequo pour le numéro 3, qu'on a pas, qui ont remporté le même nombre de voix. Les trois ex-aequo sont ici. Le premier, là, vous voyez, qui est superbe, c'est Karine, qui nous a fait un magnifique travail de dessin précision. Ensuite, Corinne. Corinne, et ça c'est un travail tout en... Je ne me souviens plus de cette technique. Vous savez, c'est des petits morceaux de papier qui sont enroulés et collés. Hein, vous allez me dire, mais Fred, tu aurais pu retrouver le nom. C'est super, c'est très très beau. Et puis le troisième coup de cœur, c'est Audrey. Audrey, avec quelque chose de très très réaliste. Magnifique travail à l'aquarelle. Certainement, c'est une aquarelle. On a beaucoup aimé. Donc vous trois, numéro 3. Donc, et puis, ce qui va avec, ça doit être un bon achat de 20 euros. Ok, sur beauxarts.fr et dans le magasin. Ça va? On continue? Je prends plus de temps que la dernière fois. Le numéro 2, c'est Michel. C'est Michel qui remporte le numéro 2. Ah oui, là, il y a du vert donc, qui disparaît avec l'écran vert. Mais regardez, magnifique travail, très harmonieux. Alors, c'est certainement... Il y a peut-être un peu de technique mix, mais c'est une base aquarelle. C'est un papier aquarelle. Il y a peut-être un peu de gouache dessus ou du dessin, mais c'est surtout de l'aquarelle. Ok, voilà. Un bon d'achat de 30 euros. J'espère que je ne dis pas de bêtises, non, 30 euros, c'est ça. Voilà, et puis, on va passer maintenant au gagnant ou à la gagnante. C'est Viviane qui nous a fait une composition qu'on a tous adorée. Voilà, magnifique composition d'ensemble. Alors, ça ne se voit pas, mais oh, regardez ce qui défile là. Alors tout ça, c'était dans un mouchoir de poche, hein, bien sûr. Hein. Mais
mais bon, il a bien fallu après que le nombre de votes détermine un classement. Et donc Viviane qui remporte le premier prix de ce concours avec un bon d'achat de 50 euros dans le magasin ou sur le site beauxarts.fr. Bon, j'espère que j'ai laissé assez de temps pour que vous puissiez tout regarder. On peut revenir sur cette vue-là d'ailleurs, hein, pour repasser en revue toutes les participations. Donc, en y ajoutant bien sûr les prix spéciaux du jury, et puis les trois ex-aequo numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1 de ce concours. Merci encore. Toutes mes excuses encore pour ces délais beaucoup, beaucoup trop longs. On n'a pas anticipé suffisamment et on est tombé dans une période un petit peu compliquée, assez intense pour notre métier de marchand de couleurs. Et donc, prochain concours, certainement, va se lancer en janvier. On a déjà les lots, on a travaillé avec PBO, ils sont là. La thématique va arriver, on a 2-3 petits trucs à caler et on lance ça. Mais on va se laisser un petit peu de temps là, après les fêtes. Mais d'ici fin janvier, je pense, on lancera le prochain. D'accord ? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci encore pour votre participation. Et puis pour tous ceux qui l'avaient demandé et qui nous ont envoyé une enveloppe de retour, on vous renvoie les œuvres. Mais là aussi, laissez-nous un petit peu de temps d'abord pour en profiter, pour exposer tout ça. Et puis, bon, aux alentours de fin janvier, on vous renvoie ça. Ok ? N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, contactez beauxarts.fr. Vous passez un petit coup de fil au magasin aussi. Merci encore. À très bientôt.